Y'a quelqu'un de pressé qui rentre du marché en se demandant s'il a rien oublié. Plus loin, on en voit un qui tire une taffe de cigarette. Cette fois, c'est la dernière, après, j'arrête. Y'en a un autre qui attend le feu vert. Lui vient de perdre son boulot. Au bout du rouleau, il se dit que ça peut pas être pire. Et ça le fait rire. Y'a le gamin qui court entre les gens, la vie devant lui, le vent dans le dos. Au passage, il bouscule cette dame, sérieuse comme un huissier, alors qu'elle se rend simplement chez l'épicier. Et puis, y'a la belle fille, parce qu'il faut toujours une belle fille. Elle est fière. Dans sa nouvelle robe, elle a passé une heure devant son miroir. À une terrasse de bar, elle sent le regard des hommes, en faisant semblant de ne pas les voir. Une seconde avant l'impact. Je fuis sans bruit, je me cache. Je longe dans l'ombre, je marche. Je cours, je souffle sans relâche. Fugace sous une lune de glace, une pièce d'argent dans la main du passeur. Ce soir, j'embarque à bord, là où s'entassent les corps de ceux qui bravent la mort. L'espoir à bâbord, aucun port, aucun havre de paix, même la mer rejettera nos cadavres. Guidée par les sirènes, ma clandestinée se dessine depuis une plage syrienne ou de la corne de l'Afrique. Mon corps est graphique, mon corps est pratiquement mort, mais il s'agite encore avant que les forces de l'ordre rappliquent. Identitaire, mère, humanitaire, promise, sécuritaire, d'asile. Mon père, mon fils, mon frère, ma sœur, ma fille, ma mère, présent sur terre et dans ma chair, à chaque cri qui me déchire, chaque prière pour ceux qui me sont chers, quand m'échappe ce que je cherche, j'arrive, j'approche.